championnat du monde de cross, la catégorie 250 est celle où le niveau est le plus relevé. C'est là où se retrouvent les meilleurs pilotes de cette discipline. Et encore une fois, le meilleur cette année s'appelle Stefan Evertz, titré pour la deuxième fois consécutive, après une saison indécise jusqu'au tout dernier Grand Prix. Dans cette catégorie, le meilleur français est Yves Demaria, numéro 12. Il termine quatrième et compte une victoire à son actif, acquise lors du Grand Prix d'Italie. Très belle saison également pour Frédéric Bollet, qui finit cinquième avec quelques coups d'éclat, comme ici, lors du Grand Prix de France, où il est passé à deux doigts de la victoire. Je pense que j'aurais pu vraiment finir devant, sans problème, j'avais le rythme, le physique, et malheureusement, nous voulons attarder, j'ai pris une pierre dans les lunettes. J'ai cru au moment m'arrêter parce que j'y voyais vraiment plus. Et puis bon, j'ai hésité, j'ai continué et c'est revenu petit à petit. Bon, j'ai fini vraiment pas très vite, mais deux, je suis très content. En fait, Bollet devra patienter jusqu'à la dernière course pour remporter en Suisse le premier Grand Prix de sa carrière. Une victoire magnifique qui, normalement, devrait en appeler d'autres.